messieurs, bienvenue à Londres. Dans quelques instants, nous entrerons en gare de Saint-Pancras International. For the last 10 years, I have been traveling the world fighting homophobia. From Manchester to Berlin, from London to New York, my aim has been to challenge intolerance and discover more about homophobia. I've just returned from France, where I went to meet people who, like me, have experienced discrimination because of their sexuality. I am an artist, and I fight against this issue in a non-violent way. I go to places where homophobic acts have been committed and plant a single pansy. This action changes the perception of the place from one of trauma to one of resistance and recovery. I photograph the pansy, pensée in French, name it after the abuse, then post the picture on my website and share it on social media. I am Paul Halfleet, and this is the story of my journey around France with what is called the Pansy Project. I usually research the locations I plant at online, and I often plant alone. For my Tour de France, I'm going to meet people and get to know the stories behind the plantings. Before the French Revolution, Bruno Lenoir and Jean Dio were caught having sex. They were sentenced to death and executed on Place de Grève. It is here, Place de Hôtel de Ville. Unbelievably, many countries continue to use the death penalty to punish homosexuality. In France, homosexuality has not been considered a crime since 1982, and today homophobia is punished by law. As the crowds gathered watching me plant the pansy, as they often do, it occurred to me that similar crowds may have gathered to watch the execution all those years ago. What are you doing? I'm planting a pansy here for the last two gay people that were burnt alive in this square. When was that? 1750. For the title of this pansy, I'm going to refer to slogans I heard during the anti-civil union demonstrations, just around the time I started the Pansy Project. And so I start my journey to the south of France. It feels like new territory for me. Here I'm going to meet Louisiane,
a young lesbian woman who is rejected by her family. At the age of 12, her mother discovered she was a lesbian by searching through messages on her mobile phone, and her mother never accepted it. Quand j'avais 16 ans, ça a commencé à aller de plus en plus mal justement parce que ma mère s'est rendue compte que j'allais pas changer. Et du coup, il y avait au quotidien des disputes et peu importe le sujet en fait, ça revenait toujours sur le sujet que j'étais avec des filles, donc enfin Elle m'insultait souvent, mais même plutôt insidieusement. C'est-à-dire que quand il y avait, je sais pas, des garçons, elle me disait « Oh, celui-là, bah, il est bien » et tout. Enfin, c'était un peu comme dénier ce dont elle était au courant pourtant. Un jour, je suis partie de chez moi sur une dispute pour aller réviser un examen donc dans cette bibliothèque. Et j'ai reçu beaucoup de messages de ma mère. Elle me disait « Tu n'es plus ma fille, je veux pas avoir d'une gouine comme toi, comme fille. » Enfin, du coup, elle me disait qu'elle allait me soigner, donc c'était assez difficile. Donc c'est là que j'ai décidé que j'allais pas rentrer chez moi. Donc je suis partie de la bibliothèque, j'avais rien, j'avais juste mes vêtements et un petit sac, et j'avais même pas mes papiers d'identité. Donc c'est là que j'ai vraiment décidé de partir et que je me suis dit que c'était plus possible que je rentre chez moi. For me, it was quite evident I was gay from an early age. I think my family had time to get used to my sexuality, and I didn't need to escape any violence. So we're here at the library, and this is where you had that experience. What title do you want to call this pansy? Je pense qu'on devrait peut-être l'appeler quelque chose comme Tu n'es plus ma fille. J'ai vu des amis, du coup, pour leur en parler, savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient me conseiller. Du coup, ils m'ont conseillé d'aller à la police, c'est ce que j'ai fait. Juste là. Oui, j'ai montré les SMS de ma mère, les SMS un peu menaçants et insultants qu'elle m'avait envoyés et qui ont fait que je voulais pas rentrer chez moi. Elle me disait, maintenant tu peux vraiment trembler. Et c'est ça qui leur a fait dire que je pouvais pas rentrer chez moi. Je pouvais pas rentrer et revenir avec ma mère. J'étais placée en famille d'accueil. And during this time, when this was all going on, you were doing really well at school. How did you remain focused? Vraiment me donner vraiment beaucoup pour les cours à fond, ça me permettait d'avoir des bonnes notes, d'avoir après une bonne école, une bonne université, et du coup par la suite un bon métier, et vraiment avoir une nouvelle vie, de nouveaux gens, de nouveaux amis, faire de nouvelles choses et tirer un trait sur tout ce que j'avais fait avant. It is the way it is. Tell me why I can't rest. 'Cause this word makes us insane. I feel lost and so unsafe. Can't completely insane. This crazy. She's studying 2 degrees in economics and in law. She's managed on her own. She found a private sponsor to help her fund her studies in Paris. She's passed her admission exam to study journalism, but she's struggling to find the financial means to do the course. Today, she is building a life in Paris with Marilyn. So you're both studying in Paris now. Yes. How is it going? Is it better than Avignon? Dans Paris, on se cache pas vraiment en général, mais après, en banlieue, c'est un peu différent. Enfin, c'est ouais. Plus difficile quand même. Ouais, moi, par exemple, je suis en faculté en banlieue. Et c'est vrai que je remarque que par rapport à Paris même, la banlieue, c'est un peu... on va dire que ça craint un peu plus. Moi, je sais que à ma faculté, j'évite vraiment... Enfin, je m'affiche pas du tout avec Louisiane, ni sur les réseaux sociaux, ni devant la fac. Avec Louisiane, on évite de se tenir la main, de s'embrasser, parce que... C'est vrai qu'il y a des gens, souvent, on sent des regards qui sont un peu lourds, insistants. Il faut faire attention. In English, pansy is another derogatory term for gay men, like puff, faggot, or queer.
The large majority of my plantings mark homophobic attacks on gay men. With Luzianne, this is one of the first times I have planted with a girl. No. She really wanted to plant a pansy to symbolize her escape from Avignon. So, this is your pansy. Je pense que participer à ce projet pour moi c'était un peu important. J'ai voulu surtout prouver que en ayant des difficultés, en vivant des choses pas très simples, on peut quand même essayer de faire quelque chose de bien et prendre son envol. Et si on se donne les moyens, qu'on fait tout pour s'en sortir, ben, on s'en sort. Mais elle va pas mourir ici? Well, they tend not to last forever. But for me, that's the point of the project. Make sure that the ritual happens. So it will kind of continue in your memory, so whenever you come back here, you'll remember planting the pansy more than you'll remember the bad stuff that's happened. So it will just live on. Bonne chance. Good luck with everything. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Nell. Au revoir. Au revoir. La destination de Paris-Gare de Lyon part initialement. Bye. Au revoir. Au revoir. Entre moi, le Vatican. Ils ne seront sans arrêt jusqu'à Paris-Gare de Lyon. Monsieur, bonjour et bienvenue en Gare de Lille d'Europe. L'ensemble du personnel de la Gare de Lille d'Europe vous souhaite une bonne journée. Homophobia in the family is on the rise in France. Young gay people, driven out of their homes by their own parents, have extremely limited means and are incredibly vulnerable. Le Refuge works throughout France for those who end up on the street. This association offers them shelter where they can try to rebuild their lives. Bonjour Jimmy. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? How are you? Ça va. Fait bon voyage? Very good, merci. I like your haircut. Bonjour, bonjour. I was going to the Lille branch to meet Jimmy. This is a volunteer hairdresser. It's these little things that help boost the morale of these young people. So how long have you lived here? Ça fait 2-3 mois que je suis ici. And do you like it? Ça va, je me plais assez bien. And where did you live before? J'habitais Boulogne-sur-Mer avant, c'est à peu près 100 km d'ici. Oui. Ah, merci. Bienvenue chez moi. Oui, merci. How many people live here with you? Bah, ça peut dépendre des moments. Des fois, on peut être 1, 2, 3 ou 4, ou maximum c'est 5. Ah, oui. Jimmy has his own room in this apartment. Tout a commencé en fait, mon copain voulait voir mon père. Et bah, moi j'ai annoncé à mon père que j'étais homosexuel. Oui. Et mon père l'a super mal pris. Il m'a dit tu prends tes valises et tu t'en vas. Ou sinon, tu restes hétéro et tu restes chez moi, sinon, si t'es gay, tu t'en vas. Le lendemain, il a pris la valise et il a mis deux changes dedans. Il a mis mon sac dehors, il m'a dit, maintenant, tu t'en vas. Je veux plus de toi chez moi. J'avais pas de carte d'identité, pas d'argent, j'avais pas de carte vitale, j'avais rien. C'était un peu la galère, on va dire. Where was your mother? Ma mère, ça fait 10 ans que elle me parle plus. Elle nous a abandonné, mon frère et moi. Et ma belle-mère, je m'entends super mal avec elle. Ouais. Ouais. Tu as faim?
Actually, yes. Allez, on y va. So you like to cook? Oui, j'aime bien la cuisine. Ça fait depuis à peu près l'âge de mes 6-7 ans que j'ai commencé à cuisiner avec ma grand-mère. Mais on va dire que j'ai une relation assez proche avec ma grand-mère. Ça a toujours été ma préférée, ma confidente. J'ai fait mon premier coming out à ma grand-mère, j'avais 17 ans. Elle l'a super bien accepté. Oui. Elle m'a dit tu resteras mon petit-fils et ça changera pas pour moi et je t'aimerai toujours autant. Bonjour. Il faudrait un maroilles, un demi-maroilles, s'il vous plaît. Un demi-maroilles. Jimmy wants to introduce me to his grandmother's favorite recipe, maroilles pie. Merci. Et ensuite, j'ai le maroilles artisanal, fermier, un petit peu plus salé. Merci. Yeah. It's better. It's nice, stronger. Ouais. Très bon. Parfait. Les mots de mon père ont été assez violents le soir. C'est quand je suis rentré pour lui dire. Les mots ont été va te faire enculer, dégage de chez moi. Je veux pas de salope chez moi. It's okay. J'ai pensé que mon père il m'aimait pas. Ça. C'était super dur. C'est assez compliqué, on va dire. Il y a trop de choses dans ma tête. Je me suis demandé si il m'avait aimé depuis. Je sais pas. C'est bizarre. The cheese. Lick it and then wipe it. Mon frère, il le sait, mais à mon avis, mon père a dû remonter la tête contre moi. Et il ne me parle plus, j'ai plus de nouvelles du tout de mon frère, ni par Facebook, ni par numéro de téléphone, ni rien. Les amis d'enfance, je leur ai dit que j'étais gay aussi. Et ils n'ont pas accepté non plus et ils ne me parlent plus non plus. Oh, shit! I've ruined the recipe. Oh! Je suis pas bien en ce moment, car j'ai besoin de rester seul. De ne pas être emmerdé par des conneries. C'est pour ça que je ne veux pas aller à l'appartement, car j'ai besoin de réfléchir. Je pense trop. À mon frère, à ma grand-mère, à ma petite sœur. Mais pas que ça. Je me sens compressé et j'arrive pas à me délivrer de tout ça. Je ne suis pas bien. Je fais des cauchemars. J'arrive pas à dormir. Usually, I go back to the places where homophobic acts were perpetrated. But for Jimmy, I feared that planting in Boulogne-sur-Mer, where his father lived, would be too much of an ordeal. This pansy was meant to give him some hope and confidence in the future. Oh, look, that's Viola Petrocchiana is Latin for pansies. Pensée is French. In English, pansy. Pansy. In English, that means gay. Ah ouais? Oui. Faire la plantation pour moi, c'est pour faire voir aux personnes que être homo, c'est pas un crime. Oui. Je pense que ça sera bien pour ça.
I think because what happened to you is so awful, it's too much to ask you to go back. I think the location has to be here to symbolize the escape that you will be able to make from that terrible time. And then this pansy can be a symbolic planting for you to kind of go, okay, I'm going to move forward into the future away from this. So what do you think you're going to do now? Bah moi l'avenir je la vois pas trop en fait, je vois rien pour l'instant, c'est trouble. Je suis pas prêt du tout à pardonner à mon père. Je repense souvent à tous les mots qu'il m'a dit. Ça m'a fait super super mal. Do you have an idea for the name? Dégage salope. Dégage. Dégage salope. Salope. A few minutes after the planting, Jimmy's father happened to call him, and for the first time since he was unceremoniously evicted from his home, Jimmy answered the phone. I wonder, has the planting played a role in helping Jimmy come to terms with the homophobia he's experienced? He did seem to relax. Had a weight been lifted from his shoulders? In Sisteron in the Alpes de Haute-Provence, I was going to return to school for a few hours. Here, I had a chance to attend a class given by the SOS Homophobia Association. Nathalie volunteers with the association and knows better than most the homophobia students can face when they discover their sexuality or happen to have same-sex parents. Nathalie! Hey Paul! Bonjour! Bonjour, ça va? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. T'as fait bon voyage? Oui, oui, merci beaucoup. J'arrive! Oui, donc pour tout te dire, Paul, moi j'avais aucune conscience de l'homophobie. J'ai vécu pendant des années sans me rendre compte de ça, comme beaucoup de personnes LGBT. Je m'étais construit un monde. Je m'étais entouré de gens qui n'avaient pas de problème avec mon orientation sexuelle et ça allait bien pour moi. Et en fait, ce qui a changé pour moi et ce qui m'a vraiment fait prendre conscience des choses, c'est qu'à un moment dans ma vie, j'ai rencontré une femme qui avait un enfant. Donc à ce moment-là, je suis devenue parent. Et là, pour moi, ça a été la prise de conscience de l'homophobie. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, il faut changer quelque chose dans la société. Donc ce matin, on fait deux interventions. On va avoir deux classes de quatrième. Quatrième, c'est des jeunes qui ont environ 13 ans. Et ici, on est dans une région montagneuse avec beaucoup de jeunes qui viennent des villages alentours. Vous pouvez enlever vos manteaux. Oui. Mettez-vous à l'aise. On est là pour un moment. Vous allez essayer de nous donner 10 insultes qui concernent les gays et les lesbiennes. Donc 10 insultes qui concernent les gays et les lesbiennes. Que vous avez entendu. Alors, vous levez la main, que vous avez entendu, que... Alors. 10 insultes. Oh, il y a de l'inspiration. Ouais. Vas-y, moi j'écris. Alors, vas-y. Enculé. Enculé, ouais. Vas-y. Pédé. Gouine. Alors, déjà 3. Ok. Tapette. Oui. Pédale. Ouais. Travelo. Oui. Tantouze. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Gézouze, oui. Comment t'écris Gézouz, comme ça? Ça s'écrit pas. Ça s'écrit pas? Comme ça? Et Tarlouze. Tantouze, Tarlouze. Je crois que c'est bon, hein. Il y en a... Encore, allez. La dernière, pour si on a une autre qui sort.
Non. Pourquoi est-ce quand on insulte des gays, on prend des insultes au féminin, à votre avis? C'est pour les dévaloriser. C'est pour les dévaloriser. Qu'est-ce que ça a dévalorisant d'insulter au féminin? Souvent pour les garçons, se faire traiter de filles. Moi, j'ai vu beaucoup de garçons, quand ils se faisaient traiter de tapette ou de pédale, tout comme ça, c'était assez insultant pour eux, parce que pour beaucoup de garçons, enfin, je pense pas qu'il y en ait encore beaucoup, mais pour pas mal de garçons, se faire traiter de filles, c'est insultant. Donc si, quand j'insulte, je veux rabaisser l'autre, je le traite de fille, ça veut dire que je considère que les filles sont inférieures aux garçons. Vous entendez ça? Oui. Ça veut dire que quand je dis l'insulte pédale ou tapette, non seulement c'est une insulte homophobe, mais en plus c'est une insulte sexiste. The first time that I noticed that I was different from other children was when I was 3. I was at nursery school and there was a dressing up box which had loads and loads of clothes in it. So I excitedly went to it and found this enormous pink dress. And then I rapidly tried it on and proudly presented myself to the class and was very happy with this big pink dress. And the teacher came up to me and said, "No, this is for girls." It was from that moment, really, that I knew that there was a difference with me. I noticed shouting abuse at me, saying faggot or whatever. And sometimes I'd be upset about it. Sometimes I'd be angry. Sometimes I would even laugh. On one day, I experienced 3 separate incidences of homophobia. And this infuriated me. And I wanted to do something about it. My feeling was that I needed to plant a flower at that location to change the way thing that had happened before. Pourquoi en fait il enterre, c'est une fleur qu'il enterre. Il la plante. La plante. In a way, the language of flowers has got so many layers, and also has this idea of thought, because the French for pansy is pensée. The reason why the pansy is called pensée is because the pansy has a face, and that face bows as if it's in deep thought. So then, in English, pansy became associated with thoughtful or effeminate men, which was then used as an insult. So tell me about the situation with your ex. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon ex, il y avait un garçon, un fils, on était une famille. Quand le petit est rentré au collège, en 6e, un soir, il est rentré de l'école et il nous a expliqué qu'un groupe de garçons l'avait pris à part pour lui demander qui était cette Nathalie dont il parlait tout le temps. Mmh. Et lui, il a répondu que j'étais sa marraine. Et il était en larmes parce qu'en fait, il avait menti. Et vis-à-vis de moi, il n'était pas bien du tout. Et il m'a dit, je sais bien que tu n'es pas ma marraine. Mais il était vraiment embêté avec ça. Mmh. Et à ce moment-là, on s'est demandé pourquoi il avait mis en place une stratégie pour mentir. Et là, il nous a dit que quelques années avant, ce qu'on ne savait pas, il avait déjà été rejeté parce qu'il avait dit qu'il était élevé par 2 femmes. Symboliquement, ça parle de beaucoup d'enfants qui vivent dans des familles homoparentales et qui sont obligés très jeunes de changer leur comportement ou de mentir sur leur situation familiale pour se protéger de l'homophobie. Et en plus, je trouve que c'est super qu'on ait planté cette pensée ici en hauteur, parce qu'avec lui, j'ai fait beaucoup d'escalade et de montagne, et on adorait être au sommet et regarder la vie d'en haut. Some gay people experience discrimination at work every day. In my profession, being gay is relatively easy. This is not the case for everyone. Arnaud works for the police. Arnaud and Emily are married and live an ordinary family life. Their baby son, Arthur, was conceived abroad because France doesn't allow medically assisted procreation for all.
One of Arno's eggs was fertilized by an anonymous donor before being implanted in Emily's uterus. Arthur is a spitting image of his father, Arno. It's 7 years qu'on est là, ouais. And the neighbor's okay. Ouais, y a pas de problème avec les voisins. De toute façon, la plupart ils nous pensent hétéro complètement, donc y a pas de problème. J'avais 24 ans quand je suis rentré dans la police. Il fallait que je trouve du boulot, ça se passait assez mal avec mes parents. Et je pensais pas faire ça longtemps, puis en fait ça m'a beaucoup plu. Je me suis aperçu que je le faisais pas mal mon métier en plus. Et puis il y a une tradition familiale aussi un peu, hein. Mon grand-père était policier, c'était un grand résistant, tout ça, c'était vraiment un héros, donc c'est sûrement un petit peu aussi à cause de ça. So how does your gender identity affect you at work? Ça va avec les collègues, ça dépend lesquels. Y a des gens pour qui c'est normal. Voilà, je m'appelle Arnaud, y a pas de problème. Je suis leur copain et tout. Y a des gens pour qui c'est moins banal, hein, et ça passe moins bien. Ça peut aller jusqu'à l'agressivité même. Mais bon, la plupart des problèmes qu'il y a, c'est des gros problèmes d'ignorance en fait. Hein, c'est parce qu'ils ont jamais vu de transgenre avant moi. Pour eux, c'est pas normal. En plus, voilà, hein, moi, je suis vachement androgyne, hein, donc je peux être identifié comme un homme, comme une femme, ça dépend de la personne, donc ça dépend des fois, mais on va dire dans l'ensemble ça se passe bien, mais ceux avec qui ça se passe mal, ça peut être douloureux quand même pour moi. Hein. So what do you do at the police? En ce moment, je suis plaintier, c'est-à-dire je suis au commissariat, je prends les plaintes. And a lot of that is it homophobic? On en a, ouais. C'est-à-dire, moi, je fais le tout venant, hein. Je fais toutes sortes de plaintes, donc forcément, on a des plaintes pour homophobie, même pour transphobie, puisqu'on a aussi des trans dans Paris qui travaillent. Hein. Et parfois, même les gens ne réalisent pas bien de quoi ils ont été victimes eux-mêmes. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir un couple de garçons, par exemple, arriver au commissariat, dire qu'ils se sont fait taper dessus. Et c'est moi qui leur dis, mais est-ce qu'il y a eu des insultes genre PD? Ils me disent oui, oui. Et je leur dis, mais c'est une agression homophobe? Ils me disent non, non, c'était embrouillé pour autre chose. Ils réalisent pas en fait que bien sûr, si on se fait taper dessus, qu'on entend PD, oui, c'est une agression homophobe, forcément. Mais des fois, c'est tellement intégré que les gens n'y pensent pas ou le réalisent pas, quoi. To speak of Arno as a woman or to use his birth name is not considered legally homophobic or transphobic, because Arno is not fully transitioned. His civil status remains unchanged. He legally remains a woman, and his identity is not taken into account by French law. In France, to change gender, you need to see a psychiatrist, take hormones, and be sterilized. Arnaud's position is complicated because his gender identity doesn't legally exist. I wondered if Arnaud was perceived as a man. It seemed that the struggle for recognition of a third gender was challenging. On the bus to Place Saint-Michel, I noticed the passengers were staring at us both. I wasn't sure whether Arno or I was more intriguing to them. Moi, j'arrivais là comme ça, je marchais dans le même sens. Et puis les cinq mecs, ils arrivaient en face, on s'est croisés là. Pendant que un me demandait une cigarette, l'autre me demandait si j'étais une fille ou un garçon, donc j'ai pas répondu. Ça a dû les énerver un peu. J'entendais qu'il y en avait un qui disait « c'est une guine », hein. Il n'arrivait même pas à prononcer « guine ». Donc je fais comme ça, je dis comme ça. Tout de suite, il y en a un qui m'a attrapé le doigt pour me tordre le doigt, comme ça. Moi, j'ai fait un pas en arrière et je faisais attention pour mon arme. Were you tempted to use it? Disons que j'essayais de pas avoir peur pour pas être tenté trop de l'utiliser, ouais, pour qu'ils voient pas que j'ai une arme sur moi, qu'ils me la prennent pas, et qu'ils voient pas que je suis policier, quoi, que ça engendre pas plus de haine encore. J'ai pris un coup, le mec qui m'avait mis le coup, il s'est mis derrière son pote. Là, son pote m'a remis un coup. Là, j'ai pété les plombs, je me suis jeté sur lui, je l'ai mordu. Voilà, je me suis défendu, quoi. So here, was this the most violent place you'd had the attack? Non. Yeah. Non, la fois la pire, c'est celle où je me suis fait ça.
C'était, j'avais pris un coup de pied en fait d'une plaie transfixiante. J'ai vécu beaucoup hein, d'agressions homophobes, transphobes. Mon androgynie, ça engendre souvent des questions et de l'agressivité. Hein. So I have more pansies to plant for you. Ouais, moi, je suis pas droit avec la fleur. But this is a fuck you flower. Comment tu vas l'appeler celle-là? Salguin? Salguin, ouais. Salguin, hein. Eux, ils ont dit Guin. Guin. Oh, it has to be wrong. G-U-I-N-E. Hein. Oh, okay. I'm overlaying the negativity with doing this kind of really simple, slightly weird thing. It changes this location for you. It was in March 2005, after experiencing three separate incidences of homophobia in one day, that I was driven to create the Pansy Project. I realized immediately that it was a therapeutic way for me to mark these experiences. The more I travel, the more it seems the Pansy Project can connect with all willing members of the gay, lesbian, and transgender family. The importance of religion is crucial in a lot of families. For some, homophobia is internalized, and the path to self-acceptance is difficult. Religion can create a sense of taboo when your sexuality does not fit into the norm. Ça me fait plaisir de te voir. In the Lot-et-Garonne region, I met Stéphane Gay. This son of a farmer now lives a quiet life with his partner Benoît in the village of Le Ladin. Taking over the family business was a long and arduous journey. Je suis né à Villeneuve-sur-Lot, à 5 km d'ici. Je suis issu d'une famille où il y a 4 enfants. Voilà, je suis le seul garçon. La religion, c'est important pour mes parents. Mes parents vivent la religion au quotidien. Ils sont pratiquants. Ma mère a fait le catéchisme pendant de nombreuses années. J'ai été d'ailleurs au catéchisme quand elle le faisait. Mon père a fait partie du conseil paroissial. Ils sont toujours proches d'ailleurs de la paroisse, notamment de Saint-Yvrat-sur-Lot. Et c'est quelque chose qu'ils vivent vraiment pratiquement au quotidien. Alors Paul, donc là on est dans les cultures de Garriguette. Garriguette, sifflorette, c'est les variétés qu'on produit ici sur l'exploitation. Et donc, ce sont des fraises qui sont réputées pour leur très grande qualité gustative. Très bon. De la part de mes parents, je n'ai pas eu à subir ni de violence physique, ni de violence verbale. How was it coming out within the context of the farm with your parents? C'était pour moi un véritable exploit parce que c'est des mots qui n'arrivaient pas à passer ma bouche. Pendant des centaines, des milliers de fois, j'ai revu, répété ce scénario en me disant « je vais jamais arriver, jamais arriver, jamais arriver à parler de ça ». Et enfin, c'est sorti au cours d'un repas à midi, on était en famille. Et à la fin du repas, à ce moment-là, j'ai dit à mes parents « j'ai quelque chose de très important à vous dire ». Mon père a baissé les yeux et il était... Elle s'est renfermée. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle dit, mais on sait que c'est pas de notre faute. On sait que c'est pas de ta faute.
Et je me suis dit, c'est bon, voilà, maintenant tu vas pouvoir mener ta vie normalement. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Petit à petit. Qu'en fait, il y avait toujours un blocage. Que les choses étaient dans la nuance, c'était des petites choses. Je me rappelle anecdotiquement d'un repas où, par exemple, mes sœurs étaient invitées avec leurs compagnons. Et puis, moi, j'avais été invité seul. Et en fait, c'était comme plutôt un empoisonnement au jour le jour. C'était des toutes petites doses qui ont fait que, puisqu'on n'arrivait pas à échanger, à être dans une relation complètement naturelle avec mes parents, il y avait toujours de la retenue, autant de ma part que de leur part. Ah oui, t'as très bien travaillé ce matin. Tu fais un très très bon employé. Je vais te récupérer dans mon équipe à partir de demain matin. Ah, d'accord. Des frais de l'exploitation. Oui, oui, oui. Je peux me passer pour l'assiette. Oui, merci. Petit. Ah. Oui, à peu près. Ce sont des fraises avec du rosé de Bergerac. Tu connais Chabrot ? Comment ça ? Alors, Chabrot, c'est normalement avec la soupe. À oui. La fin, on rajoute un peu de vin et on boit. Comme ça. Ah, really ? Is that what you do ? Yes! Ah, je vais vous débarrasser. Oh, allez, merci. Merci beaucoup. Allez, hop, au boulot, un petit peu les mecs là. Toujours les filles. Ici, on est habitués. C'était le sujet tabou dans la famille. On ne parlait pas de la vie sexuelle des enfants et encore moins de celle de Stéphane. C'était très compliqué parce que les problèmes qu'ils avaient au travail. En fait, se reporter aussi sur le repas du midi. Donc, c'était toujours... on s'engueule vachement. Mon père et mon frère étaient toujours en conflit. Donc, certes, par rapport au travail. Mais c'était aussi son homosexualité qui était sûrement sous-jacente et qui, en fait, posait des problèmes, quoi. Le fait d'avoir des gens autour qui pouvaient juger leur famille, juger leurs autres enfants, ça, ils avaient du mal à l'accepter, en fait. On lui faisait pas confiance, c'était dû à l'homosexualité, clairement. Enfin, voilà, je pense que nous, autour, on a pu faire nos vies comme on a voulu. Nos parents, ils nous ont jamais dit comment il fallait faire, pourquoi on faisait ça. Alors que lui, il fallait toujours qu'il justifie les choses qu'il faisait, les décisions qu'il pouvait prendre. So, how did you manage to cope? Une des façons de m'en sortir, ça a été tout simplement de me faire accompagner par un médecin psychiatre. Et dès la première séance, il m'a dit quelque chose qui a été très important pour moi. Il m'a dit, en fait, tu es mal. Mais tu es mal quoi? Et je disais, je suis mal aimé, je comprenais pas. Et je cherchais le mot. Et en fait, c'était tout simplement, j'étais mal heureux. Voilà. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que être mal heureux, c'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais pu avoir tout pour être heureux. Puisque j'avais une famille, j'avais un métier, j'avais un projet professionnel, j'avais un amoureux. Et pourtant, malgré tout ça, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à surmonter ma douleur. C'était presque comme faire un deuxième coming out, en fait, pour moi, la dépression. Paul, donc on va te montrer notre future maison. Voilà, qui est tout à côté, juste à côté. On vient d'investir avec Benoît. Une très vieille maison, voilà. Très très vieille. Et donc nous sommes en travaux, on va te faire visiter. Une maison de 500 ans. Imagine. Oh, in there. Yes. Oh. Yeah. I love the walls. Voilà, notre petit nid d'amour. Ici, nice. Le salon, à côté, la cuisine. Et puis en haut, on aura donc la salle de bain, les chambres. Wow. And what are the neighbors like? Oh, les voisins, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, notre homosexualité, ça n'est pas du tout un sujet de conversation avec eux ou dans le village, quoi. Oui. Pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, disons que je n'ai plus honte de moi-même, parce que ça a été le cas pendant de très nombreuses années. Stéphane, I'm really interested to know why you wanted to do this planting. La plantation, pour moi, elle symbolise la force,
et la foi dans un nouvel avenir, dans un nouveau projet avec mon chéri, mais également avec ma famille. Et cette foi, j'aimerais que les gens puissent l'avoir, jeunes ou moins jeunes, qui sont dans des situations de difficultés familiales par rapport à leur homosexualité, et qui puissent comprendre que il ne s'agit pas d'être dans un combat contre la religion, mais bien dans un combat contre l'homophobie qu'il peut y avoir aussi au niveau familial, même si souvent on n'a pas l'impression dans les familles qu'on puisse employer ce terme. Stefan was determined to make sure the title of the planting would not offend his parents. Although I explained to him that the planting is not about accusation, but rather recognizing homophobia and moving on. After some discussion, we settled on a title. France is a secular country, but a region still avoids the 1905 law that establishes a separation of church and state. In Alsace-Moselle, which is still under the Concordat regime, blasphemy is prohibited and ministers from various faiths are employees of the state. I enter a religious world, a world that I have never really understood and which I have never been a part of. So to Strasbourg, where I am going to meet representatives of faiths who welcome and celebrate anyone who is seeking spiritual fulfillment without discrimination. Nasreddin is an imam and an activist. He works on human rights in Islam. He campaigns for an inclusive Islam where women, homosexuals and transgendered people are welcomed. He is Moroccan and has just got political asylum in France. In his home country, being gay can be punishable by up to 3 years imprisonment. So thank you for letting me witness what you were doing. It felt really interesting for me because as a boy, I remember feeling that I wasn't quite welcome in that kind of environment. So it made me think about what, how you would have felt. J'ai un parcours très atypique dans le sens où j'ai grandi au Maroc, dans un pays musulman, donc. Donc avec une société quand même un peu séculière, en quelque sorte. Je pense que les questionnements sur mon identité par rapport à l'islam, ou en tout cas cet antagonisme entre foi et sexualité, s'est posé plus à l'âge de 17 ans, 18 ans, là où vraiment on commence à mettre en pratique donc le rituel, on commence à s'attacher à un petit dogme. So, what's your own experience of homophobia? Je pense que la plus grande homophobie, c'est cette arrogance de l'orthodoxie musulmane, de dire que l'homosexualité c'est interdit, c'est un péché, c'est éthiquement condamnable. Voilà, la première homophobie, elle est dans la société dans laquelle on grandit, dans notre famille. Je me suis confronté à l'homophobie, pour moi, c'est vraiment dans le dogme religieux. Et puis en fait, on évolue parce que on se questionne sur quel est vraiment cet islam dans lequel on voudrait vivre, mais qui reste quand même par essence homophobe. Et je pense qu'il y a juste un souci de cohérence. Et on trouve des outils appropriés pour questionner notre éducation, questionner nos acquis culturels, traditions, et puis aussi sortir de ce petit schéma étriqué pour dire qu'en fait l'islam n'est pas là, c'est l'homophobie intériorisée. En fait, on se considère comme être inachevé, donc en fait on est incapable de questionner le texte et on délègue notre cerveau, entre parenthèses, à quelqu'un qui a étudié le texte. Je pense que tous les musulmans LGBT doivent revenir à ça. Questionner le texte, questionner la tradition prophétique et puis surtout faire confiance à leur raison et à leur cœur. Voilà.
Stephen Berkowitz is the rabbi for the Liberal Jewish Union of Strasbourg. Of American descent, this progressive member of France's liberal Jews reaches out to communities in this Orthodox region. In his home country, homosexuals have long been accepted in synagogues, and openly gay and lesbian rabbis preach in many states. Avec un mâle, tu ne vas pas coucher comme si tu couchais avec une femme, c'est une abomination. Le fait de condamner quelqu'un pour être homosexuel, c'est le fait que dans l'acte sexuel, on va gaspiller la sémence. Or, l'homme a comme commandement de croître et multiplier. C'est pourquoi dans le Talmud, les rabbins n'ont pas un regard très dur, négatif sur les rapports sexuels entre deux femmes. Pour les courants modernes du judaïsme, la Torah, c'est un work in progress. Nous considérons que la loi juive doit évoluer avec la société. Christophe Corret is the pastor of Saint Guillaume Church. He fought for religious ceremonies to be accepted within the Protestant Church. Here, he advocates tolerance, and his efforts have been rewarded, as now same-sex couples can have religious ceremonies. The parishioners at Saint Guillaume have been amazingly enthusiastic. Inspired by the Pansy Project, they managed to bring followers from three religions together to have an interfaith service. It's the first service of its kind in France. I never imagined that my little idea could have such a big impact. Donc c'est vrai que au moment du mariage homosexuel et même cette semaine encore, j'ai eu un mail quand j'ai annoncé l'office interreligieux de ce soir qui m'a dit qu'il fallait prier pour moi parce que j'étais dans le péché, dans la déchéance, parce que j'osais soutenir les homosexuels et la présence des homosexuels dans l'Église. Nos traditions religieuses peuvent s'appuyer sur nos livres sacrés pour justifier l'intolérance et le rejet de l'autre différent. Si bien que la Torah, le Coran et la Bible peuvent devenir de véritables armes de guerre et de destruction. Mais nos livres sacrés portent avant tout en eux des germes d'espérance et de vie. Je me réjouis de vous accueillir, vous tous, pour cette célébration interreligieuse et inclusive contre les haines, les discriminations et l'homophobie, célébration durant laquelle nous voulons rejoindre l'élan insufflé par Paul Harfleet. Yesesum midbar vetsia, vetagel arava, vetifrach kahavatselet. الحمد لله رب العالمين السلام عليك يا محمد السلام عليك يا موسى السلام عليك يا عيسى السلام عليك يا إبراهيم
Assalamu alayka ya nour. Chers frères et sœurs, Dieu n'est ni hétéro, ni homo, ni homme, ni femme, ni masculin, ni féminin, ni musulman, ni juif, ni athée, ni agnostique, ni chrétien. Dieu est l'apanage de toute créature, de toute l'humanité, dans ses couleurs. Amen. Nous te prions pour que chacun puisse grandir et se fortifier avec toutes nos particularités. Allez dans la paix. Amen. Even though I have never felt the need to find faith within a religious structure, I do believe everyone has the fundamental right to access it if they wish to, no matter what their sexuality or identity is. I planted a pansy in front of three religious buildings to recognize previous institutional homophobia and symbolize the hope of finding a new, inclusive and accessible way for people to follow whatever God they feel the need to. So back to Paris, and the reality of homophobic violence in public places. Even though things have calmed down after the adoption of the law for same-sex marriage, there are still many physical assaults on the streets. I met with Jean-Paul in the Marais district in the heart of the capital. Here, gay people are open and visible. You can feel the freedom on these streets. Bonjour. I feel at home here. Jean-Paul and his boyfriend were attacked in the street. This crime was significant, as it was recorded as the most violent of last year. Despite the brutality of his attack, he refuses to give up. He uses art to combat homophobia too. Salut Paul, ça va? Salut, ça va? Tu as fait un bon voyage? Good travel? Oui, oui, oui. OK. On est un collectif d'art de rue qui, à travers ses performances, luttons contre l'homophobie et contre toutes les attaques sur les différences sexuelles. Pink Vador, ça vient de Star Wars, Dark Vador, le côté obscur de la Force. Nous, on a voulu le faire passer du côté rose de la Force, voilà. Celle-ci, elle est particulière puisqu'elle rentre vraiment dans le cadre pour le mariage pour tous. Les opposants à ce mariage ont appelé leur mouvement la manif pour tous. Et ce qui est très drôle, c'est que si tu prends les premières lettres, les initiales de la manif pour tous, ça fait LMPT. Tu vois? Et on est très content de rencontrer le Pansy Project et Paul Airfleet. It's a pansy. That is so good. Merci. Merci. Thank you. Merci. Ça a commencé ici, là. Tu vois le restaurant rouge. On sortait du restaurant avec mon ami. Et puis on a traversé, là. Je vais te montrer. Et on était comme ça, on marchait tranquillement. On avait bien mangé, bien bu. Et nous avons rejoint l'abribus. Et à un moment donné, il y a un gars qui est passé de là. Et il est passé comme ça devant. Et il a dit quelque chose. Moi, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit, mais j'ai senti que c'était pas très sympathique. Et mon ami lui a dit, tu peux répéter, s'il te plaît. Et là, il se retourne, juste là, tu vois. Ici, là où il y a le panneau. Ouais. Il se retourne. Et là, il dit, c'est dégueulasse, bande de PD. Ouais.
Alors là, tout de suite, on lui a répondu, on lui a dit non, mais ça va pas et tout. Et puis les premières insultes ont commencé à fuser. Moi, je suis d'un caractère assez trempé, donc j'ai essayé de me défendre avec mes mots. Et à ce moment-là, le bus est arrivé, ouais. Et puis il a ouvert les portes. Et moi, je suis monté dans le bus, le premier, oui. En disant à mon ami, allez, laisse tomber, c'est un con, on fait pas attention. Et je vais pour prendre mon ticket. Et je me retourne, et là, l'homme a donné un coup à l'oreille à mon ami, et il est tombé par terre. Je suis redescendu du bus. Je regarde le chauffeur et je lui dis, appelez les secours. Et là, il a fermé les portes, comme ça. Alors là, j'ai tapé. Ouvrez les portes, appelez les secours. Et le bus est parti. Et ici, juste ici, ça a commencé. Et là, ça a été d'une extrême violence. Et puis, il y a eu un moment de silence, et il l'a fait. Il m'a jeté. Les larmes coulaient d'elles-mêmes. Et j'étais un peu sonné. Et là, j'ai pris mon portable. J'ai voulu appeler les secours. Et il m'a vu. Et il a dit, t'appelles pas la police. Ouais. N'appelle pas la police. Je vais te massacrer, pédé. J'ai couru à l'épicerie pour demander des secours. J'étais comme ça. Je me tenais à la porte, comme ça. Non, non. Et le type me poussait. Et l'agresseur était là et il attendait comme ça. Comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, là, il y avait des terrasses. Et il y a 5 hommes qui sont venus et qui ont fait une barrière. Il y avait l'agresseur, les hommes et moi, comme ça. Et tu sais pas ce qu'il leur a dit ? Le mec, il leur a dit, mais finissez-le, c'est un PD. Un seul. Un seul est resté et il maintenait le gars, là. Tu vois, il le tenait et il était là, vas-y, dégage, casse-toi. Et après, je suis parti là-bas. Et lui, en fait, il cherchait sa croix, il cherchait sa petite croix. After the attack, Jean-Paul was unable to work for 6 days. His boyfriend, 10. The perpetrator, who defined himself as a Catholic from Versailles, received a 1-year suspended prison sentence with 4 months parole and was fined 4,000 euros. The impact on Jean-Paul was immeasurable. It destroyed his relationship, and I could see it had left him traumatized. C'est vraiment ça. Yeah. J'ai vraiment l'impression de prendre un peu une revanche. Après les coups, le sang, les larmes, la violence, la vie reprend son cours. Une amie amérindienne m'a raconté que quand l'homme nous a projeté au sol 2 fois, elle m'a dit « c'est pas lui qui t'a projeté au sol, c'est la terre-mère qui t'a appelé ». Même si le coup a été dur, c'est que la terre-mère te voulait avec elle pour te protéger. Une fois que tu étais au sol, tu allais être protégé. Voilà, il m'a mis à terre et ça a donné ça. Ça a donné une fleur, une pensée. Et ça, personne ne pourra le prendre, quoi. Ça m'aide beaucoup. Et j'espère que ça va aider tous les autres et toutes les autres, évidemment. Merci. Merci de penser à nous. I finished my trip on the 17th of May, which is the International Day Against Homophobia and Transphobia. Finally, I could plant at the same location where thousands of French people gathered to demonstrate against the law establishing same-sex marriage. Bugs, are you? Today, the Pansy Project brings together French people who want to state their commitment against discrimination. Bonjour, merci beaucoup for coming. Today, these pansies symbolize all the homophobia. Bonjour. All the transphobia. Très joli. So all the hatred and all the violence, this is our response. Okay, now,
All the participants have made the Pansy Project their own, and I love this. I've been inspired by their resilience and have been so moved by their determination to carry on. I really hope that the Pansy will remind people that someone, somewhere, is fighting homophobia for them and for you. Can this humble little pansy really heal the suffering related to homophobia? I'm not sure. It's a strange and perhaps bizarre thing that I do, but it's no more strange or bizarre than the behavior it marks. Returning home to London, it's clear that the Pansy Project does have the power to connect those that are isolated by discrimination. Hi. How much are those pansies? £1 each, Tim. Okay, can I get them all? Yeah, no problem. There you go, sir. Thank you. You have a lovely day. Thank you. Okay. Unfortunately, I know I have other plantings to do. But I never stop hoping that the day will come when I will not need to. Pain is no longer here, but the hurt's taking time to disappear. Should I be afraid of